Cette exposition s'appelle un title, sans titre. C'est souvent le titre d'une œuvre d'art. On est trois curateurs, Thomas Auceago qui est un sculpteur, Mouna El Fitouri qui est une artiste et une critique d'art, et moi-même qui est conservatrice auprès de la collection Pinault. On a commencé cette exposition il y a plus de 2 ans et c'était une façon de questionner et comment faire une expo et le rapport à la Pinault Collection avec une approche éventuellement un peu différente. Le cube, cœur de l'exposition, inspiré d'une partie du studio de Thomas Auceago qui est le lieu de la pensée, de la réflexion, de la discussion. On espère que ce lieu soit le plus approprié par le public et ils s'en servent comme nous-mêmes on s'en est servi. Ayant comme projet de faire un parcours très physique pour le public et d'abord un rapport presque corporel, intuitif avec les œuvres et pas du tout démonstratif. Avec comme idée de jouer l'équilibre entre hommes et femmes, entre artistes noirs et artistes blancs, et qu'on arrête de mettre dans des camps ou dans des ghettos le côté féminin ou le côté minoritaire. On a fait attention à des gens singuliers dans la démarche d'éviter toute personne déjà très connue, mais plutôt de poser des questions de singularité comme un sens, un rapport à une réalité et à une liberté, et beaucoup de générations confondues. Donc plutôt d'avoir des surprises par rapport à des artistes pas forcément les plus vus ou les plus connus aujourd'hui.